Tout pour moi, pour ce chiffre-là, ils se sont entendus. Mais en octobre, je répète, et en janvier, là, lorsqu'ils ont dit qu'ils vont emblaver 350 000 hectares, ils ont dit que ce qui, ça correspond à une quantité d'engrais de temps. Et la subvention serait de temps. C'est eux-mêmes qui donnent. C'est eux-mêmes. Personne ne contrôle, aucun ministre ne contrôle. Donc, en octobre, ils savent la quantité exacte emblavée, 208 000 hectares. Ça veut dire quoi? La quantité annoncée en janvier, qui devait correspondre à 350 000 hectares, est inférieure, c'est-à-dire la quantité d'engrais. Ils réellement utilisé, tout ça était égal par ailleurs. Par rapport à 208 000 hectares, la quantité d'engrais est inférieure. Donc, par conséquent, la subvention réclamée doit être revisée à la baisse. En octobre, ils ont réclamé le même montant, 11 milliards. En décembre, il a trouvé des ministres pour co-signer, pour dire que c'est 11 milliards. Et le conseil des ministres dit de payer. En tant que c'est venu la première communication, j'ai dit, non, laissez tomber. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont ramené la communication au moment où je n'étais pas là. Donc c'est bien après que j'ai appris que la dame des finances a appelé BOA pour tenir des réunions dans l'éventualité de prendre les sous à la chose. J'ai appelé BOA. Entre-temps, BOA a décaissé 12 milliards, 11 milliards de subventions et 1 milliard et quelques pour la relance du coton. Je l'appelle, mais pour comment? Qui vous a autorisé à payer? Quand est-ce que ce dossier est revenu encore au conseil? Je viens à Dakar, je reviens, je vais vous expliquer. Elle vient me dire, monsieur, en réalité, BOA a décaissé ça, ce n'est pas moi qui lui ai donné l'ordre. J'appelle BOA à côté d'elle, BOA dit, monsieur le président. Là, il y a eu deux réunions chez elle. C'est elle qui m'a dit de décaisser. Et on dit, l'État doit payer. Donc, face à tout ça, un exercice a été fait par les services techniques du ministère de l'Agriculture. Les trois ou les quatre dernières campagnes, il y a près de 15 milliards de trop perçus. Sans regarder même ce que contient chaque subvention. C'est-à-dire, lorsqu'ils demandent qu'ils vont importer 20 000 tonnes d'engrais, ce qui correspond à une subvention de temps, ils importent en réalité 10 000 tonnes. Les dossiers sont sous ma table en ce moment. C'est que le rapport qui m'a été fait. Donc, en conclusion, écoutez, la conclusion que je tire dans cette affaire, alors, si nous voulons dire vrai, puisque vous avez fait des choses, la question de puisqu'on a fini de parler du port, au sujet, disons, du coton, mais j'ai dit bien, cette réforme-là, elle n'est pas la mienne. C'est vrai que j'aurais pu remettre ça en cause. En 1999, c'est le président Amoussou qui a signé, un décret pour dire qu'il faut transférer la gestion de la filière coton au secteur privé. Je crois avec le même laser, ceux qui m'injurient aujourd'hui. Ils ont démantelé les cardaires en disant que les paysans sont... discuter valablement avec, les hommes d'affaires, les affairistes. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que ces paysans, ils ne savent même pas quel produit utiliser, à quel moyen il faut utiliser. On leur dépose même des produits périmés. Nous avons mis plus de 70 milliards dans la filière coton au cours des 6 dernières années. Toujours pour soutenir cette vision de dire il faut croire au miracle du secteur privé. Mais au même moment, la production ne cesse de chuter, entraînant dans sa course la croissance économique. Pourquoi nous avons, on nous a habitués à des croissances de 2%, 2,5%, 3%. Pour faire quoi? Au même moment, le Burkina, qui est moins arrosé, mais qui a adopté une autre politique de zonage. Le Burkina a pris une partie, a laissé une partie à Agakan, c'est un groupe privé, et une partie aux Français. Mais tout en ayant l'œil sur tout, les encadreurs sont là, encadrent
encadre les paysans. Le Burkina est allé, il y a deux campagnes à 900 000 tonnes. Si on fait l'hypothèse d'un rendement de 1,5 tonne, eh bien, ça veut dire qu'ils ont emblâmé près de 600 000 hectares. Mais pourquoi mon pays ne peut pas arriver? Pourtant, on a confié ça à un secteur privé. Si pour autant, il y a un miracle pour le secteur privé, Mali. Alors, sur ce plan-là, ça veut dire quoi? La responsabilité, il faut savoir prendre ses responsabilités, quel que soit le coût. Parce que j'ai vu dans un document, de certains partis politiques, vous dit, il faut arrêter les réformes. Ceux-là qui ont livré le coton au privé. Il faut arrêter les réformes au port. Ils ont des intérêts au port. Il faut arrêter les réformes au niveau du transport, parce qu'ils ont des intérêts de transport. Mais l'État béninois n'est pas dupe. N'est pas dupe. Qui a élu? C'est eux qui vont venir faire les réformes à ma place. C'est eux. À quel titre ils me disent d'arrêter les réformes? Ils sont qui et quoi? Vous me demandez cela. J'ai un bilan présenté d'ici 3 ans. Et moi, je m'en vais. Tous ceux qui sont en train de proposer leur projet de société pour 2016. Leur chance, je ne serai pas là. Je serai l'ancien président. Donc, ils n'ont qu'à me laisser travailler. Donc, quand me laisser travailler, je demande au peuple béninois d'en tenir compte. Donc, ce qui a été fait, l'amitié, pour moi, ne compte pas lorsqu'il s'agit de l'intérêt général. Le lien de parenté, pour moi, ne compte pas lorsqu'il s'agit de l'intérêt général. Et j'ai eu l'occasion, cela ne veut pas dire que je suis contre tel, tel ou tel. Mais je peux rappeler les gens pour dire non, ne faites pas ça. Si vous le faites, vous allez détruire ce qui est dans mon cœur pour ce peuple béninois. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Donc la crise cotonnière, nous pensons, une privatisation. On a fait le débat. Les usines, ça a été pareil, ça n'a pas été facile. Il était un ami, mais j'ai le courage de lui dire non, je ne peux pas faire ça. Comment dirais-je? À l'époque, le président Kérékou, ils sont allés à la Banque mondiale pour dire d'en faire une conditionnalité. Je vais vous donner le nom de ce ministre-là. D'en faire, de brader les usines. Et en contrepartie, on va leur donner 35%. Mais c'est en ce moment qu'ils ont commencé par se chamailler, Kérékou n'a pas pu régler ce dossier-là. Parce que Kérékou était contre. Lorsque moi je suis venu, j'ai dit, bon, moi je ne vends pas. Moi je ne vends pas. Je crée une société, n'est-ce pas, qui va gérer les 10 usines. Je regroupe parce que c'est le patrimoine national. Je ne suis pas là pour brader le patrimoine national. Ça appartient à tous les Béninois, y compris les Béninois qui sont dans leur ventre. On a créé ce déco. Ils ont dit de lui donner 80%. Il dit non, c'est trop. On lui a donné 34% et 17% a placé dans le public. Un an plus tard, ils sont revenus dire qu'il faut lui donner les 17% qui restent. Donc il a 51%. Mais à ce jour, la gouvernance dans cette société aujourd'hui n'est pas encore passée en revue. Et même pour la centrale des achats, il est venu lorsque, en 2008, je crois, il y avait l'escalade sur les prix pétroliers. Le baril est allé à $150. Il est venu dire qu'il ne peut pas importer les engrais seuls. Qu'est-ce que vous voulez? On va créer une société d'économistes. L'État va apporter 35%, lui-même 35%, les banques. On l'a fait. Et la nation, la présidente du Conseil. Donc, j'estime quoi? J'ai voulu aller jusqu'au bout pour voir ce miracle du secteur privé. Ma conclusion maintenant, Mali. Alors là, pour le coton, nous allons faire comme les Burkinabés. Nous irons au zonage. Nous allons introduire la concurrence. AIC est un pool, va rester comme un pool. On ne passera plus par AIC pour faire les choses. Ce n'est pas possible. Par AIC seul, ce n'est plus possible. Il y aura plusieurs groupes qui vont se livrer une concurrence, ce qui va nous permettre maintenant de faire comme le peuple burkinabé qui travaille. C'est la seule manière d'améliorer aujourd'hui notre performance en matière de relance économique et de partage. Parce qu'il faut absolument régler la question de cette pauvreté. Et le port, comme je vous ai dit, au départ on avait dit,
le scanning pour la question de sécurité, il faut qu'on crée une société d'économie mixte avec lui, pour qu'on puisse voir. Le scanning seul, et non bénin contrôle. Il a, au dépend des discussions, il a refusé. Que ce n'est pas prévu dans le contrat. Le contrat qu'il a rédigé. Que ce n'est pas prévu dans le contrat. Si, alors, pour que le. Si, après, il a dit qu'il est d'accord. Mais au même moment, il refuse de nous donner les informations sur la valeur des scannings. Comment il a acquis ça? L'origine des scannings. Rien de tout ça. L'État peut rentrer dans une affaire. Mais comment déterminer la part du capital de l'État? La part que l'État va détenir dans le capital. Comment déterminer le capital de l'entreprise? Donc, le blocage se situe à son niveau aussi. Alors, donc, en conclusion, je vous dis en conclusion, on ne peut plus la question du partenariat. Tant que moi, je serai là, la table ronde sera faite bientôt. J'ai demandé au Fonds monétaire, à la Banque africaine de développement, et à des compartenaires anglais, américains et français, ils vont venir. L'expérience en matière, je dis bien, de cadre juridique et fiscal, pour protéger, vraiment pour protéger les intérêts réciproques, les intérêts de l'État et les intérêts des privés qui entrent en partenariat avec l'État, pour éviter ce genre de dérapage où nous avons beaucoup perdu. En termes de croissance économique. Excellent, Monsieur le Président, je trouve que c'est une bonne chose parce que, de par le monde, les hommes d'affaires se font crocher d'un État brouillon. Et donc, si aujourd'hui vous prenez l'engagement devant vos compatriotes que le cadre sera assaini, que tout sera corrigé, et donc, ça veut dire que par le futur, choses se feront. J'ai compris ce que vous le dites. Je le jure. Je le jure devant le peuple béninois. Je n'ai rien contre aucun opérateur économique. Pourquoi? Et c'est à cause de ça, ceux-là qui se disent que moi, je suis en train de détruire les opérateurs. Mais de quel opérateur économique s'agit-il? Moi, je viens, écoutez-moi, je viens de Macao, parce que j'ai quitté la Chine pour la Chine, pour la voie à Castelot, Boycon, etc. On a eu 120 milliards. Je vais aller à Macao. Seul ce monsieur-là, il ne construit qu'en pleine mer. Il ne construit qu'en pleine mer. Monsieur le Président, regardez là, les 10 kilomètres là, la mer là, revenez dans un an. Moi, David Cho, je vais construire là. Il avait commencé par déjà chasser la mer. Il va chercher les ressources internationales, il ramène ça à Macao. C'est un vrai opérateur économique. Mais lorsque je vois le comportement d'un certain nombre de mes compatriotes, comment je vais détruire ceux qui créent la richesse? Si réellement, ce que j'ai remarqué dans le comportement de certains, c'est que ça ne va pas, on ne peut pas continuer. Celui qui continue avec eux a décidé de tuer le Bénin. Mais moi, les 3 ans qui me restent là, je ne le ferai pas. Quel que soit le coût. Parce que, il est fini. Talon, lorsque on a exclu ce programme-là, il dit, bon, je mets en place mon projet politique pour me punir. C'est-à-dire? Merci beaucoup. Non. Il dit, il dit, je mets en place mon projet politique. Le second jour, j'apprends qu'il a pris 50% du capital de Canal 3. Il est bien placé pour le dire. Tous les matins, vous insultez, vous l'insultez. Et on démarche les hommes politiques. Même ceux qui sont déjà morts, on va les ressusciter. Pour aller l'insulter, du Canal 3. Tant qu'il aura remis en cause mes acquis, il n'y a rien à faire. Je vais organiser l'insurrection. Alors, on mouille pratiquement toutes les forces, les politiques, les institutions, les syndicats, etc., etc. Les magistrats. On mouille tout seulement. Les valises, les cantines circulent. Au vu au sud de tout le monde. C'est lui-même qui le dit. Parce que lorsque un député a commencé par m'insulter, il dit, je l'ai appelé. Comment? C'est toi qui m'injuries? Il me dit, oui, non, j'ai faim. C'est alors qu'il nous a dit d'organiser l'insurrection. J'ai dit, mais c'est...
Ce pays est, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Qui va organiser l'insurrection contre moi. Et il le sait très bien. Les deux tiers des journalistes émargent sur lui, 300 000, 400 000 par mois. Rien que pour insulter le président. Les radios partout, rien ne va, rien ne va. Mais le rapport du Fonds monétaire, le rapport du Fonds monétaire, le rapport du Fonds monétaire là. Même certains politiques que je croyais, complètement fatigués de faire la politique. Même certains politiques du PLPB, qui sont des espèces en voie de disparition, qui viennent m'insulter en disant que j'instrumentalise les impôts contre les hommes politiques. Je gagne quoi dans cette affaire? Lorsque je suis arrivé de la Chine, je convoque les impôts. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous persécutez mes compatriotes? Je ne savais rien, au nom de Dieu. J'ai pris un bureau à la direction des impôts. Lorsque je les ai invités, qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez ternir mon image? Qu'est-ce que je vous ai fait? Parce que j'ai eu un cas précédent comme ça. Malik le sait. Il le sait bien. Mon jeune frère. À travers, je vous dis, parce que si je suis devant le peuple béninois, là, il faut que je dise la vérité, rien que la vérité. Ils peuvent continuer de m'insulter, ce n'est pas grave. Mais après mon départ, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais tant que je serai là, ça va être dur. Alors, il y a quelques années, en 2007, on a organisé les élections. Salé a décidé de venir vers moi, c'est-à-dire vers la majorité présidentielle, qui ne fait pas la politique dans notre pays. Un des agents des impôts va redresser Salé. 1 milliard 400 millions. Moi, je n'en savais rien. Mais il est allé dire à Salé que c'est moi qui l'ai envoyé et que le calcul a été fait dans mon bureau, d'après ce que Salé est venu me dire. Et Salé qui dit que je n'ai pas pu le sauver, il appelle les 12 députés qu'il a fait venir, il crée le G13. Ça fait 3 ans que le Parlement a été bloqué. Ça a coûté cher à notre pays. On a perdu plus de 600 milliards. C'est-à-dire, du fait de la non-ratification des contrats de prêt pour permettre à l'État de tourner, aux institutions de tourner. Alors, donc,